Bienvenue sur ma chaîne, si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa et je fais du contenu principalement lifestyle et home. Donc voilà, alors cette semaine, pour commencer la vidéo, en fait tout ce que j'avais planifié de faire cette semaine est tombé à l'eau. On a eu plein d'événements qui se sont passés et qui ont fait que voilà, on n'a pas pu respecter le programme. J'allais en fait cette semaine m'occuper du coin café, comme je vous l'ai dit la semaine passée. Mais donc voilà, en fait il y a une des poules qui a fini par décéder. Elle avait une complication due à son rectum et donc je l'ai emmenée chez le vétérinaire et elle est décédée chez le vétérinaire. Donc aujourd'hui c'est un peu la déprime chez nous à la maison. Ça c'était hier soir, donc aujourd'hui on va enterrer la poule dans le jardin. Alors pour nous, en fait, on n'avait jamais eu d'animaux auparavant. On a toujours voulu avoir un chat, mais mon mari est allergique au chat, donc au poil de chat. Donc voilà, pour nous, ces poules qu'on avait dans le jardin, enfin on en a encore trois, mais les poules qu'on a dans le jardin, c'est un peu comme des chats, ce sont vraiment des animaux de compagnie. Et les enfants ont vraiment fini par s'attacher aux poules. Donc, elles s'occupent d'elles constamment. Elles jouent avec elles. Elles les nettoient, elles les lavent. Elles lavent le poulailler, etc. Donc, voilà. Le fait de perdre une poule, c'était pas prévu comme ça, mais c'est compliqué. Donc, on va l'enterrer cet après-midi, Inch'Allah. Et puis en fait j'ai décidé tout simplement de vlogger ce que je vais faire aujourd'hui. De toute façon je vais partager avec vous une recette et puis je vais vous montrer aussi que faire avec les petits ronds que vous avez devant la maison si vous avez eu des décorations d'automne. Donc je disais qu'avec la purée de petits ronds on pouvait faire plein de choses. Notamment du café, je pense au pumpkin spice latte, je pense à des recettes de cuisine. Et je pense au dessert, donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je me suis levée tôt le matin et j'ai un peu nettoyé la maison. Donc, il y en avait besoin. Et puis, je me suis fait livrer aussi le meuble TV ce matin de chez Maison du Monde. Donc, je vais partager ça aussi aujourd'hui avec vous. Et puis, il y a eu plein de demandes pour les compositions florales que je fais à la maison. Donc ça fait en fait 2-3 semaines que j'ai commencé et c'est ce que je fais hebdomadairement. Donc je fais mon petit vase moi-même. Donc je vais vous montrer celui-ci. Donc je vais rafraîchir un peu celui-ci. C'était du rose et du bordeaux. Donc j'ai acheté un petit bouquet de chez Albert Heijn cette fois-ci, pas du Aldi. Ceci vient aussi du Albert Heijn. Donc ceci est encore en bon état, donc je vais les réutiliser. Je vais juste changer les roses, mais j'ai remarqué que les roses restaient moins longtemps que les autres fleurs. Donc ceci environ, il reste environ 3-4 jours, alors qu'en général les autres fleurs restent de 7 à 10 jours. Donc si vous voulez faire vos compositions florales à la maison vous-même, c'est pas vraiment les roses que je conseillerais. Ce sont les plus belles, mais bon, c'est pas le plus efficace. Et puis je vais vous montrer en fait le meuble qui est arrivé de chez Maison du Monde. Donc le voici, on l'a pas encore installé. Il y a encore un débat à la maison de est-ce qu'on accroche la TV ou pas. Donc je ne sais pas, mais il faudrait voir si on va faire ça aujourd'hui aussi. Je ne sais pas.
Mais donc, je ne sais pas si on va accrocher la TV ou pas. Il y a une discussion là-dessus. J'ai envie d'aller accrocher, moi, parce que je préfère que ça soit comme ça. Au moins, sur le meuble TV, je peux mettre un petit vase et des petites décorations. Alors que là, ça me gêne aussi quand je nettoie et que je fais nettoyage de la poussière. Le fait qu'il y a les pieds de la TV, ça me dérange. Donc, on va commencer maintenant avec les fleurs. Donc, comme vous le voyez, il y a le granit qui est installé. Je vous promets une vidéo, mais quand ça sera complètement fini. Parce que là, comme vous le voyez, les crédences ne sont pas encore faites. Et puis, pour les fleurs, j'ai choisi cette couleur-ci parce que je trouvais qu'avec le bordeaux, ça serait parfait. Donc, voilà, on va s'attaquer à ça. Et puis, je vais faire vite fait à manger pour les enfants. Donc j'ai déballé les fleurs juste ici et franchement je ne suis pas fleuriste donc je ne complique pas la tâche. Je mets mes rosiers tout simplement d'abord au milieu. Donc voilà, je vais bien les étaler pour que ça fasse un beau rond. Bon, voilà, là c'est ma base. Et puis maintenant, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les tiges bordeaux et les rajouter ici. Donc voilà ce que ça donne pour le bouquet. J'essaye en fait de rajouter du volume à chaque fois avec mes bouquets. Donc voilà, je trouve que en fait avant il y avait du rose et je trouve que l'orange va beaucoup mieux avec le bordeaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc maintenant je vais remettre le vase là-bas. Voilà ce que ça donne. Ce que j'aime aussi faire après mon nettoyage, c'est faire démarrer tous mes diffuseurs d'huile essentielle à la maison. Donc j'en ai en total 3 et j'en mets toujours un dans la cuisine, un dans le salon et un dans le couloir près des chambres, donc la partie nuit. Ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Ravin Sinatra. Alors celui-là, il est très frais et donc ça fait partie de la gamme Respirer. Quant au diffuseur, je l'ai acheté via Amazon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté à vraiment pas cher, à une 20aine d'euros, mais je vous le déconseille. C'est vraiment pas qualitatif, on va dire. Alors que celui-ci, je l'ai acheté à environ 50 euros, et je l'ai acheté via Aromazone et il est beaucoup mieux que celui de Amazon, que j'ai montré donc le marbre en premier. Celui-ci est vraiment bien robuste et les enfants l'ont fait tomber plein de fois et il marche toujours. Quant à mes huiles essentielles, je les achète tous via Aromazone. Donc j'ai un petit coffret comme celui-ci où je mets tous mes huiles essentielles pour les senteurs à la maison, aussi pour le ménage et aussi surtout pour tout ce qui est produit de lessive. Donc je le fais moi-même à la maison et donc c'est mon petit trésor à la maison. On l'utilise sans cesse et c'est sur Aromazone que je fais mon petit shopping.
Ensuite, je vais allumer la machine à café pour faire un bon cappuccino. C'est le moment préféré de ma journée, ou c'est vraiment le moment préféré après mon ménage, c'est de faire mon café. Et donc, je vais vite fait ranger la cuisine pour pouvoir me reposer un peu avant d'attaquer l'après-midi. Je vais ensuite vous montrer comment je fais mon pumpkin spice latte à la maison. Alors, il est mille fois mieux que chez Starbucks et j'économise au moins 5 euros en faisant ça à la maison. Donc, je commence tout simplement en faisant un espresso. Et donc, j'ai pris ma purée de potiron. Et donc, je mets 2 cuillères à café de purée de potiron dans mon verre où il y a déjà mon espresso. Une fois que c'est fait, moi je rajoute de la cannelle. Alors si vous avez le mélange pumpkin spice, vous pouvez l'utiliser avec la cannelle. Je crois qu'il est à vendre sur Amazon. Donc c'est une petite boîte qui s'appelle pumpkin spice et donc c'est un mélange d'épices qui font le pumpkin spice cappuccino ou latte, comme vous voulez. Et donc moi c'est tout ce que je fais. Ensuite je mélange bien et je rajoute mon lait que j'ai moussé. Et voilà donc un pumpkin spice latte fait maison. Alors on est en train de chercher en fait un endroit où on peut enterrer la poule et je me suis dit que j'allais faire ça avec les enfants. En fait, elle a fini par décéder, elle avait des complications, elle n'arrivait pas à faire pondre un œuf. Et puis finalement chez le vétérinaire, quand on a été chez le vétérinaire, son cœur a lâché. Donc on cherche un endroit où on peut enterrer la poule et... je vais utiliser ce moment pour un peu leur expliquer la mort, etc. Donc voilà, je vais vous mettre sur un timelapse et puis on se revoit juste après. Bien. Tu peux fermer la porte. Tu peux fermer la porte. Je vais lui dire au revoir. Vous la prenez dans vos bras. Je vais faire le trou. Elle est vivante. Non, il est mort. Elle est morte. Il ne sait plus se réveiller. Non. Il était comme ça là tantôt aussi. Ouais, il n'a pas bougé depuis hier. Tu viens de la prendre. On peut la prendre tout le temps. Non. D'accord, on va l'enterrer. Pourquoi? On va la mettre ici. On va l'enterrer, après c'est fini. Comme ça, elle va chez Allah. Son corps, il est encore là. Ça, c'est son corps. Son âme est déjà partie. Regarde, je sais pas ça. Son âme, il fait quoi? Son âme, il est chez Allah. Donc là, je viens d'enlever la TV et je vais m'occuper de ceci.
le meuble TV est enfin installé et voilà ce que ça donne. Et donc du coup, nouvelle discussion à la maison, est-ce qu'on accroche la TV ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi quoi en commentaire. Alors mon mari est 100% contre, il aime le fait que la TV soit sur le meuble. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Une fois que c'est fait et qu'il commence à faire noir à l'extérieur, je me mets bien avec mes petites bougies. Alors mes bougies préférées sont celles de Yankee Candle et en ce moment aussi les bougies de chez H&M Home. C'est une tuerie aussi. Bon, Yankee Candle, ça reste la bougie indétrônable. J'adore Yankee Candle et donc quand le soir arrive et que je me détends, que je veux me détendre, j'allume toutes mes bougies pour vraiment avoir une ambiance cosy à la maison. Ok, on passe donc en cuisine et cette semaine, en fait, je vais partager avec vous une recette que j'ai découverte sur internet et que j'avais bien envie de tester. Donc je vais partager ça avec vous. Donc pour ça, pour la recette d'aujourd'hui, en fait, on va faire des tagliatelles à la sauce citrouille. Et puis à côté, on va faire quelque chose avec du blanc poulet. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce que vous avez besoin pour cette recette. C'est parti. Alors, vous aurez tout simplement besoin tout d'abord de tagliatelle, vous aurez besoin de gros sel ou de sel. Moi, j'utilise du sel de mer, je préfère utiliser ça. Il faudra du blanc poulet. Alors nous, on est à 4 et on a pris un blanc poulet. On n'est pas vraiment des gens qui mangent beaucoup de viande, donc ça, c'est assez pour nous. Il faudra aussi du persil, il faudra une crème culinaire. Moi, je prends celle à 30%. Il faudra 200 ml. Et puis, j'ai ici de la purée de citrouille que j'ai fait hier. Alors, c'est tout simplement une citrouille cuite dans de l'eau. Et puis, j'ai enlevé l'eau et j'ai mixé ce qui restait. Donc, de la purée citrouille. Je crois qu'ici, j'ai environ 500 g. Il faudra du parmesan, de l'huile d'olive et du sel, du poivre et puis du Philadelphia. Alors, avant de commencer, j'ai mis de l'eau à bouillir avec un peu de sel de mer. Donc, ça sera pour les tagliatelles. Et ensuite, on va s'occuper, en fait, on va tout d'abord s'occuper du blanc poulet. Alors, je vais prendre deux feuilles d'aluminium. Deux feuilles comme ceci. Je vais y mettre un peu d'huile d'olive. Voilà, juste pour que ça ne colle pas. Et puis, je vais y mettre mon blanc de poulet. Voilà. Et puis, je vais prendre mon Philadelphia. Je vais mettre du Philadelphia juste ici, donc dans le milieu de chaque blanc poulet. Donc là, j'ai mis sur le blanc de poulet du Philadelphia et maintenant je vais les enrouler. Donc, je vais les enrouler juste comme ça. Hop. Et puis une fois que c'est fait, je vais saler. Et poivrer. Et je vais renfermer ça. Et
Et puis je vais prendre un récipient en fait comme celui-ci et je vais tout simplement les mettre dedans. Hop. Et je vais enfourner ça pendant une demi-heure à 180 degrés au four. Et en fait, l'huile d'olive va faire en sorte que le poulet ne soit pas trop sec. Donc dans une demi-heure, ça sera prêt. Hop. Donc 180 degrés. Je vais faire chaleur tournante. Et donc c'est parti pour 30 minutes. Donc c'est fait, en fait on va s'occuper de ceci. Donc en fait pour 4 personnes il me faudra environ la moitié, donc il me faudra pas tout ça. Là j'ai 500 grammes et je vais utiliser 250 grammes. J'ai oublié de préciser en fait qu'il me fallait de l'ail aussi pour faire ma purée de petits ronds. Donc je vais commencer par couper ceci. Alors une fois que l'ail est bien doré, donc moi j'aime en fait que ça ressemble à ceci, voilà, c'est bien doré, je vais rajouter la moitié de ma purée de petits ronds, donc ça sera environ 250 grammes ici, que je vais rajouter directement dans l'ail. Alors j'ai rajouté le parmesan, le sel et poivre et puis tout simplement tout ce que je vais faire c'est remuer jusqu'à ce que le parmesan ait fondu. Voilà ce que ça donne quand c'est prêt. Franchement ça a l'air hyper crémeux. Donc je viens d'éteindre le feu et il me reste encore je crois un quart d'heure pour le poulet. Donc maintenant je vais m'attaquer au tagliatelle. Une fois que ma sauce petit rond est prête, je vais la rajouter à mes pâtes qui sont cuites, donc mes tagliatelles qui sont cuites, et puis je vais bien remuer le tout pour vraiment que tout soit bien mélangé. Et je finis avec une petite touche de persil et un peu de parmesan. Nous on adore le fromage à la maison, donc on rajoute beaucoup de parmesan. Et donc voilà, le plat fini. N'oubliez pas de me taguer si vous avez essayé la recette. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé.